Bonjour les gamers, ici CLB pour une nouvelle partie du Let's Play de Super Mario 64. Et sur ce, je dis... Petit pingouin perdu. Bon, je pense qu'il y a quelque chose avec le pingouin. Ce serait bien entendu logique. Je crois qu'il faut... C'est ça. Bon, petit pingouin. Le petit pingouin. Bon, le petit pingouin arrête de bouger. Et puis les petits pingouins ils font un bruit, mais what? Où est-ce que tu vas, petit pingouin? Je veux t'attraper. Je sais même pas comment on fait de toute façon. Ah, je l'ai. Je sais comment attraper au moins. Mais où est-ce que tu vas? Mon petit pingouin. What? Oh le troll. Oh le méga troll. Heureusement qu'il n'y a pas du vide. Parce que sinon j'aurais dit... Plus qu'un poulet de... Ok. J'aurais voulu une étoile mais... Une vie c'est déjà bien. Bref, moi je cherche une étoile et je vais en trouver une. Je le promets pas... Je promets devant Zeus. Je retrouverai le petit pingouin perdu. Eh hey hey. Je me suis même pas pris de dégâts, je tiens. Je suis juste un petit peu étourdi. Je crois que j'ai compris. Je suis même complètement certain d'avoir compris. Oh tiens, une plaque bobombe. Et c'est à ça que sert le télésiège. Fucking télésiège. Bon, je troll contre le télésiège, mais bon, concrètement, je déteste pas le télésiège. Wow, qu'est-ce que t'as à dire, toi? Concrètement, rien du tout. Ah si. Ah ok, je crois que j'ai compris. Comment je fais pour retourner là-bas, teubé? Ah, il va m'expliquer que... Non! Oh non! Oh non, j'étais prêt à réussir le niveau, bordel! J'étais prêt à réussir l'étoile! Rage, je spam mon clavier pour faire mine, je suis joueur du grenier, mais en fait je suis pas joueur du grenier, je suis un CLB de base! Nias, crognonieux! Bon. Je vais me calmer. C'est jamais qu'un fail. J'ai envie de dire. Bon, maintenant je sais comment faire pour réussir le niveau, c'est très simple. Donc faut monter à cet arbre. Sauter comme ça. Oh merde. J'avais vu ça dans certains speedruns, la façon de sauter des arbres comme ça. C'est un petit peu... C'est pas... Concrètement, c'est pas hyper réaliste comme type de saut, mais bon. Passe encore. On va dire que c'est un athlète. Un portel. Vous savez quoi, j'aime pas les pingouins. Laisse les pingouins tranquilles, gros. Pire imitation du monde du hippie de SLG. Bon. Ouais, t'en as trop pris, gros. D'ailleurs, moi je réfléchissais dans ma tête à des petits projets originaux. J'imaginais un truc. Je vais vous faire marrer, mais... Oh non, le petit... Viens, le petit. Viens. Je sais pas où tu es, mais tu viens. Un petit champignon mignonnet. Bon, je sais pas où t'es passé le pingouin, mais tu vas venir ici immédiatement. Tous en cœur. GG. Mamma mia. Si vous voyez ma tête que j'ai maintenant... Non mais j'ai juste envie de tuer des pingouins.
Allez, on va y arriver. Ne perdez pas courage. Comme dirait Mr. Fanax. Sinon, on va parler un petit peu de l'actu de la chaîne. Bon, je suppose que cet épisode va sortir bien après que ces infos se soient totalement périmées, vu que je suis toujours que dans ma première session de tournage. Eh oui, je vous annonce quelque chose. J'ai toujours pas lu vos commentaires. Je sais même pas si vous en avez mis. Je sais même pas si quelqu'un a daigné de regarder la vidéo. Je sais même pas si ça a fait un succès flamboyant et que ça a jeté ma chaîne, hein, première chaîne de France devant Squeezie et Cyprien Gaming. Petit pingouin. Petit pingouin. Oh là 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 là, pingouin de merde. N'importe quoi. Oh non, putain. Ce petit poney va me faire rager jusqu'à ma mort. C'est pas un petit poney d'ailleurs, c'est un petit pingouin. Oh bordel. Oh là là, j'emmerde des pingouins en fait, vous savez quoi. Oh, il se rapproche, il se rapproche. Oh, le Saint Graal. Mais reviens. Mais reviens, putain. Vous savez quoi, j'emmerde les pingouins, en fait. On va le prendre de biais, comme ça, il va aller dans la direction opposée. Mais ça va pas être une direction chiante. Je l'ai eu. C'est enfoiré. Ah bah, forcément, on le lâche. Ça aurait été trop beau. Dépêche-toi. Non, 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 non. Bordel. Bon, j'y arriverai pas avec ce niveau, hein. C'est officiel. Oh, c'est une pièce étoile là-dedans. Oh, mais... Non, c'est juste une vie. Bon, vous allez me dire, c'est pas si mal. Ça me permet de pas avoir à me retaper quand il m'ouvre. Évidemment, je me fail comme... comme une réjection humaine. C'est carrément glauque ce que je viens de dire. Ça, c'est une descente. On va pas la remonter, c'est de la glace. Ce serait un peu con. Oh, mais je pense qu'il n'y a plus de suicide à partir de là. On peut plus remonter. Je parie. C'est des ennemis, ça. Yolo swag. Oh, il y a un petit, pouce. J'ai vu un bébé. J'en ai vu un. Je sais qu'il y a un bébé là-bas. Je pensais que c'était celui du début qu'il fallait amener, mais... Oh non, c'est génial. Oh oui. Par contre, le bruit qu'ils font est horrible. Juste... Ah, par contre, leur IA a été faite pour faire rager les gens. C'est pas mon bébé. Je t'emmerde. Je sais que... Je suis sûr que les bébés, c'est celui du spawn. Ah, le canon. Génial. M'évitera à... Oh, merde. Ah. Eh, ça a marché. Je suis passé au travers du pont, lol. Bon, du coup, ça me ramène pas au spawn, ça me ramène beaucoup plus haut, mais ça me ramène pas pour autant. Oh merde. Je sais pas du tout ce que ça fait quand on a toutes les pièces rouges, mais je veux pas le savoir. Ça se trouve, ça te donne une pièce étoile, et si c'est le cas, je sais pas ce que je fais. Je hurle. Oh merde. Bon, après tout, j'avais pas d'autre solution que le suicide pour retrouver ce fuquin. Oh là là, c'est galère. Bon, je crois que je vais vous laisser avec ce niveau parce que ça va saturer ma mémoire et ça va faire des épisodes complètement inintéressants. Donc, sur ce, je vous reprends dès que j'ai la possibilité de gagner ce niveau. Donc, à tout de suite, peut-être. Ou bien alors, à dans 3 heures, ça dépend.
Pingouin en main, troisième essai depuis que j'ai arrêté la capture. Je vous diffuse pas le reste. J'ai déjà tout supprimé, de toute façon, ne réclamez pas. Ça n'existe même plus, c'est dans la corbeille. Voir s'il n'y avait plus de place dans la corbeille, c'est complètement délet. Bref, de toute façon, j'arriverai même pas à retrouver les fichiers, ça va être n'importe quoi. Je crois que c'est là, non? Non, c'est pas là. Faut que je retrouve l'endroit, en fait. Je crois que c'est par là-bas, hein. Il fait des bruits chiants par contre, ça je vous l'admets. Les bruits qu'il fait, c'est carré. C'est carrément pénible. C'est carrément. Et je saute au hasard. Et je survis. Et je survis, c'est un miracle. Bon, alors ça c'est une image un peu insolite. Je tombe en arrière avec un pingouin dans les mains. Oh non, 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 oh que non. Alors, à un moment, je suis mort ici. De façon très conne, tué par un bonhomme de neige. Là, je m'étais déjà pris un dégât à ce moment-là. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième dégât que je me suis pris. Il y en avait un troisième. Sur le même bonhomme de neige, hein. Je vais pas affronter le deuxième. Bordel, mais pourquoi tu fais demi-tour? Salaud. Je suis mid-life. Bon, dépêche-toi. Pas que ma journée. J'ai pas toute ma journée. Déjà qu'il est 19h, je vais bientôt manger. Parce que manger, c'est bon pour la santé. Oh là. Oh non, oh que non. Oh que non, tu vas pas t'en aller, toi. Je crois que c'est la bonne. Alors tu viens. Et je vais te rendre à ta maman, toi. Et si elle me dit c'est pas mon bébé, alors là, je fais quelque chose. Tu as trouvé mon bébé, mon chou, mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude? Gros Mario, tout le monde me traitait de minuscule. Gros Mario, tu es formidable. Gros Mario, ok, c'est gentil, on me traite de gros alors que je viens de sauver son bébé. Et que les autres me traitaient de minable alors que je venais de les massacrer. Tiens, prends ces étoiles, tu as bien mérité. Yes! But. À qui? Alors, toi, si tu te barres, je ferai plus rien pour ta maman, hein. Espèce de petit... Oh là 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 là, ça va faire un magnifique épisode rage. Donc, c'est la bonne, et puis on va pouvoir continuer le let's play dans la tranquillité. C'est ce que je dis. Alors, donc, on a 6. J'ai essayé de trouver des niveaux où il y a d'autres missions. Comme par exemple le premier, je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Koopa Rapido! C'est le Koopa mais en plus rapide. Oh, un Koopa Rapido, je suppose. Cool. Tu dois être vachement fort et rapide, mais aussi tu es rapide que moi, Koopa Rapido. Je crois bien que non. Oh, on n'est pas, on se la pète pas comme ça, ça se fait pas. Ça se dirait une petite course jusqu'au sommet de la montagne, là où était le roi Bobombe. Alors qu'en dis-tu? Quand je dis partez, la course commence, prêt? Cet arrêt sur image sert à vous démontrer que je me suis trompé de bouton et que je n'ai pas lancé la course. Ce qui explique la scène suivante à accélérer. Partez, on swag. S'il avance pas, ça va aider, forcément. Goal! Et bam! Je voulais faire un truc stylé en arrivant sur le poteau, mais bon... oui? Allô? Bon, il se trouve que j'ai pas trouvé de solution, je crois qu'il était pas parti ou un truc comme ça. C'est un peu bizarre. Partez! Voilà, ouais, ça avait pas commencé, c'est ça. Parce que là, il affiche bien, il affiche une autre musique. Oui, donc je viens de faire un truc de façon complètement inutile que je supprimerai peut-être au montage si j'y pense. Si je l'ai pas supprimé, bah ça vous fait du contenu en plus.
du contenu pas super intéressant, mais c'est du contenu quand même. Ça augmente la durée de vie du let's play, c'est pas mal non plus. J'essaierai de faire un 100% des étoiles, vu que je crois qu'il y a un nombre d'étoiles à partir duquel tu peux aller battre Bowser. Et aïe. Et que je fais un 30 et... Oh bordel. Hey, mais comment il a le droit de me taper comme ça? C'est scandaleux. Je vais me plaindre chez mon assureur et vous allez voir, il va vous mettre en tôle. Je vais pas réussir à remonter là, c'est pas possible. Salut, vilain bobon. Et comment je fais pour remonter? Mais je repars au début du niveau là, c'est pas possible. Je repars complètement au début du niveau et puis le niveau il est vraiment pas long, hein. Faut pas croire que ça... Que je perds pas grand chose là, je perds deux tiers du niveau presque. Non, je troll, mais facilement un quart je pense. Oh bordel, oh mon dieu, mais ce vilain chien là qui fait waf waf, hein. Je sens que je vais voir afficher un gros message: vous avez perdu, lol. Ça va être le fail du siècle, je sens que je vais mourir ici. Même pas, ça y est, GG. Allez, on va peut-être y arriver à le rattraper. Juste sans aucun espoir dans la tête, évidemment, vu qu'il est très très loin devant. Oh là là. Vilaine pas belle. J'avais vu que ça marchait pas tout à l'heure. Je suis quasiment arrivé à la fin, mine de rien, et puis j'ai pas vu le message disant que j'avais perdu. Ça se trouve, ça va spawner juste avant que j'arrive, parce que le machin est très lent. Ou bien, dès que je vais arriver, on va voir le Koopa et il va nous dire: ah mince, tu as perdu. Bon, allez, on va voir ça, je suppose que... Et ben voilà, j'ai perdu, j'ai gagné. Ah ah, pauvre nul. Ça t'apprendra à défier le grand roi Koopa Rapido. Reviens me voir si tu veux une autre raclée. Je t'emmerde. Non, bon bah bon là je vais être obligé de faire une petite ellipse, j'ai envie de faire une pause tout simplement. Soit c'est une ellipse, soit c'est un arrêt de vidéo, ça dépendra du découpage que je ferai. Bref, soit sur ce je vous dis à tout de suite, soit sur ce je vous dis au revoir, c'était CLB.